Salut! Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est la régression dans le machine learning et comment on peut utiliser ça pour transformer cette voiture télécommandée en voiture autonome. On va faire ça en trois étapes. Je vais commencer par vous expliquer ce que c'est la régression. Ensuite, on récoltera des données. Et enfin, on entraînera un modèle qui sera capable de conduire la voiture de manière autonome. Donc, la régression, c'est une tâche en machine learning qui consiste à prédire des valeurs continues à partir de données. Dans notre cas précis, les données, ce sera les photos prises par la caméra de la voiture, et ce qu'on va essayer de prédire, ce sera les coordonnées du centre de la route. Ok, donc pour récolter des données, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la caméra de la voiture pour prendre des photos à intervalles réguliers, tout en conduisant la voiture sur le circuit. Maintenant, ce qu'on veut essayer de déterminer à partir de ces photos, c'est le centre de la route. Pour faire ça, on va utiliser un réseau de neurones. Et donc pour que le réseau de neurones puisse apprendre à partir des images où se trouve le centre de la route, il va falloir qu'on lui montre des exemples. Et donc pour créer ces exemples, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manuellement annoter toutes les photos qu'on a prises. Donc il y en a 300. Je fais ça et on se retrouve juste après. Maintenant qu'on a annoté nos données, on va pouvoir entraîner le modèle. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'on va montrer un exemple au réseau de neurones et il va prédire les coordonnées, ou en tout cas ce qu'il pense être les coordonnées du centre de la route. On va comparer ça au résultat attendu, donc aux vraies coordonnées du centre de la route. Et en fonction de la différence entre les deux, on va mettre à jour les paramètres du modèle pour que la prochaine fois qu'il voit une image similaire, il soit capable de donner un résultat qui est plus proche de la vérité. Ok, donc ce que vous voyez sur ces deux graphes, c'est l'erreur qui diminue au fur et à mesure que le modèle s'entraîne. À gauche, c'est l'erreur sur le train set et à droite, sur le test set. Le test set, c'est un set de données que le modèle ne voit pas lorsqu'il s'entraîne et qu'on utilise pour vérifier que le modèle est bien en train d'apprendre quelque chose. Ok, l'entraînement vient de se terminer, on va pouvoir aller tester ça sur la voiture. Voilà ce que ça donne. Je suis assez content, ça fonctionne plutôt bien. Jusque-là, parce que c'est ma première vidéo et que je voulais que les choses restent simples, j'ai présenté les choses de manière linéaire, mais ça ne s'est pas exactement passé comme ça. J'ai d'abord essayé de la faire tourner, de faire un circuit en plot, mais ça ne fonctionnait pas, donc j'ai fait un circuit en scotch, mais ça ne fonctionnait toujours pas. J'avais l'impression que les virages étaient un peu trop serrés, donc j'ai élargi la piste. Puis ça ne fonctionnait toujours pas, donc j'ai rajouté du scotch jaune au milieu de la piste. Et ça fonctionnait toujours pas. Puis j'ai cassé la caméra, la voiture a foncé dans un mur et ça a arraché la caméra. Et puis j'ai fini par trouver la raison du problème. C'était que l'architecture du réseau de neurones que j'avais choisi était trop grosse et du coup l'ordinateur de bord de la voiture n'arrivait pas à traiter les 65 images par seconde que je lui demandais de traiter. Donc il prenait du retard et il corrigeait sa trajectoire trop tardivement et du coup il sortait du circuit. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour réaliser ça, je me suis basé sur du code de chez Nvidia. Donc je vous mets le lien dans la description. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner.